Bienvenue au Centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Massina, à Kinshasa, République démocratique du Congo, le Centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que le dimanche dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. À jamais, tu es le roi des rois. Tu es le seigneur des seigneurs. Toi, le Dieu qui nous a rachetés par ton sang. Le seul qui a réussi à unir des hommes et des femmes de toutes langues, de toutes tribus. Tu as fait de nous une nation sainte. À jamais, tu seras le roi. À jamais, tu régneras dans les cœurs. À jamais, à jamais, à jamais. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Tu mérites. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, réjouis-toi ce matin, parce que tu es dans le plan de Dieu. Réjouis-toi ce matin. Alléluia. 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 Réjouis-toi ce matin, puisque tu es sur le lieu où tu devrais être. Tu es sur le lieu où tu devrais être. Réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi ce matin, parce qu'il y a la provision, une provision unique pour toi. À lui la gloire, à lui le règne, à lui la majesté. Père très saint, nous ne t'avons pas écrit une lettre pour te servir. Nous ne sommes même pas venus avec nos diplômes pour chercher l'emploi. Mais tu nous as pris comme des captifs. Je crois à ta parole. Elle est vivante. Elle est puissante. Elle transforme. Elle console. Elle guérit. Elle libère. Fais-le ce matin. Non pas à nous. Mais à ton nom donne gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Merci à notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde en tant que famille de nous retrouver ensemble. Et merci aussi à notre papa Israël Sembeloela, cet homme à qui Dieu est passé pour nous apprendre à l'aimer, à le servir, à marcher avec lui. Nous voulons aussi dire merci à notre maman Rachel pour tout ce qu'elle est pour notre papa et pour toute l'église. Nous savons quand papa était seul, qu'est-ce que l'arche était.
Et aujourd'hui aussi, nous voyons quand il a pris maman Rachel, c'est que l'arche est devenue. Oui, quand vous voyez un grand homme devant vous, c'est que derrière, il y a une grande dame. Merci beaucoup, maman. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas facile. Nous dirigeons une église de à peu près 500 membres. Mais diriger une église de plus de 4000 membres, je me dis, et pendant beaucoup d'années, ça, il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. J'ai toujours encouragé des gens d'honorer le Père spirituel. Et cela est biblique. Il est important d'apprendre d'honorer le Père spirituel. Très important. Les enfants d'Israël n'avaient pas seulement besoin de la bénédiction divine, mais ils ont ici la bénédiction de Moïse. Et c'est très important. Il y a un secret quand on honore son Père spirituel. Il y a un secret, c'est un mystère. Peut-être toi tu es en retard, mais je vais susciter en toi cette grâce, ce désir d'honorer votre Père spirituel. C'est très important. C'est très important. C'est très très important. Merci aussi à mes collègues, je pense à l'évêque Joseph Chimpanga, un ami de longue date. Je me souviens encore quand il était en train de vendre les livres au niveau de la communication. Et d'ailleurs, c'est à ce niveau-là qu'il a eu le désir de demander la main à Néné. Alors, Néné n'était pas facile, hein? Même Joseph tremblait. Mais c'est moi qui ai aidé Joseph, non? En principe, c'est à moi que Joseph devrait remettre une partie de la dot. Oui, Joseph connaît. Je lui ai dit un dimanche comme ça après le culte, va parler à Néné, réunis ton courage. Il dit, mais je trouve Néné trop difficile. Mais non, elle n'est pas difficile, vas-y, c'est toi l'homme. Et le lundi, je vois Néné qui arrive à la maison, qui me dit, mais j'ai à te dire, à l'époque on était frère Bouang, on n'était pas de pasteur. Qu'est-ce que tu as à me dire? Il y a un frère là. Est-ce que tu le connais, le frère qui a l'habitude de vendre des livres là-bas? Il dit, ah oui, le frère Joseph. Bon, quoi? Vous savez, il est venu là, il m'a parlé, tout ça. Et moi, je lui ai dit, qu'est-ce que toi tu as dit? Bon, je lui ai regardé et j'ai vu Néné en train de sourire. Mais on dit, mis déjà. On dit, mis déjà. Oui, je connaissais Néné. Quand elle n'était pas d'accord avec quelqu'un, en tout cas, son visage était fermé. Et puis là, il était très sérieux. Même pour saluer Néné, il faut quand même bien, très bien prier. Ah là là. Bon, les Nawezi et les autres, on se connaît déjà bien. Et je vois encore y a Roger aujourd'hui. Vers Morija là-bas. Ah, mais comment? Les Nathan et les autres là. Ah, une équipe très solide. Que Dieu soit loué. Ok, je ne sais pas, vous êtes à la 40e génération, mais je suis en train de partager les sentiments de la première génération. Toi tu es en 40e génération. Je partage les sentiments de la première génération avec nos vieux, nos papas Minga, qui peut-être, je ne sais pas s'ils sont encore stricts aujourd'hui. Est-ce que les fiancés continuent à se tenir la main dans la main? Parce que je vois des... Ah, il y a Mimi est là, ok, la première génération. Même Mimi là que vous voyez là, elle ne peut pas supporter vous voir être fiancée et commencer à vous tenir. Bon, je ne sais pas maintenant ça se passe comment. Mais c'était bien, c'était de très bons moments. On était forgés, transformés dans ce grand centre, l'Arche de l'Alliance Makara. Waouh! Ouh, comprenez-moi vraiment. Ok, les plans, les lieux, la provision. Dites à ton frère, aide-moi. Les plans, les lieux, la provision. Les plans, les lieux, la provision. Retiens ces chemins et tu vas réaliser que nous qui étions déjà ici, connaissant qu'on était dans le plan de Dieu, les choses ont évolué. Les plans, les lieux et la provision. Genèse chapitre 24, versets 1 à 14, mais nous n'allons pas lire tous les versets. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Et puis nous allons lire les versets 6 à 9. Et on va terminer avec Genèse chapitre 13, les versets 1 à 4. Genèse chapitre 22, versets 1 à 14. Genèse chapitre 22,
Verset 1 à 14. C'est possible que ce matin, tu puisses entendre la voix de Dieu. C'est possible que ce matin, tu peux déjà réaliser que c'est l'exaucement de tes prières. Et c'est possible qu'après mon intervention de ce matin, tu ne seras plus la même personne. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, s'éla son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste et les chargea sur son fils Isaac et porta sa main le feu, dans sa main le feu et le couteau et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors l'ange, verset 11, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et il offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14, Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Genèse chapitre 12. Un à 3, et puis le verset 6 à 9. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Cana et ils arrivèrent au pays de Cana. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au Guénès de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Verset 13, verset 1 à 4. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et l'autre avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. On peut terminer avec Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a aussi un texte qui me vient à cœur là, Jean chapitre 10, le verset 10, on va lire ça rapidement. Jean chapitre 10, le verset 10,
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le plan, les lieux, la provision. En lisant notre texte de Jérémie, chapitre 29, mes bien-aimés, s'il faut d'abord commencer par le plan, Dieu ouvre son cœur à son peuple et il dit clairement qu'il a un plan de bonheur, un plan de paix, un plan de joie, un plan de succès. Dieu dit à son peuple que j'ai un plan merveilleux pour vos vies. J'ai un plan merveilleux pour votre mariage. J'ai un plan merveilleux pour vos études. J'ai un plan merveilleux pour vos affaires. J'ai un plan merveilleux pour vos enfants. J'ai un plan merveilleux pour votre travail. Je bénis notre Dieu parce qu'il n'hésite jamais, de temps en temps, selon les besoins, de nous ouvrir son cœur. Et ce n'est pas en vain que Dieu nous ouvre son cœur. C'est comme ça que nous avons vu dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 10, Jésus parlant à ses disciples, au verset 10, il dit, attention, nous avons deux programmes sur cette terre. Vous êtes en face de deux programmes, de deux projets, et avec deux leaders. Dieu, qui a un très bon projet pour vous, mais il y a aussi le diable, qui a un projet contraire. Regarde le projet du diable, regarde le programme du diable. Cela se résume tout simplement par la destruction. Et moi, j'ai un programme, un merveilleux programme. Et il est très important pour vous de comprendre cela. C'est comme ça dans Genèse, chapitre 12. Nous avons la démonstration de l'ouverture du cœur de Dieu. Lui qui déjà, avant la fondation du monde, étant créateur, il vient vers Abraham. Mais il commence par où ? Dieu, en venant vers Abraham, il commence par lui présenter le plan qu'il a déjà pour Abraham. Dieu présente à Abraham le projet, le programme qu'il a pour lui. Mais, pour que ce programme puisse s'accomplir, il faut qu'Abraham quitte là où il était chez ses parents pour aller vers les lieux de l'accomplissement. Dites avec moi les lieux. Les lieux. Dieu ouvre le cœur. Il dit à Abraham, quitte ici. J'ai un projet, j'ai un programme pour toi. Allons ailleurs. Il y a un endroit que j'ai prévu pour que ce que j'ai pour toi puisse s'accomplir. Peut-être tu vas me poser la question, mais pourquoi Dieu n'a pas pu accomplir tout ce qu'il avait pour Abraham dans sa famille? Je ne peux pas te répondre, c'est la souveraineté divine. Mais ce qui m'intéresse, que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il a un plan merveilleux pour ta famille. Il a un plan merveilleux pour tes enfants. Il a un plan merveilleux, un plan merveilleux. Dites encore avec moi, un plan. Réunis ton courage, dites à ton voisin, Dieu a un plan merveilleux pour moi. J'aimerais t'informer que Dieu, il a un plan merveilleux pour moi. Dis-le à ton voisin de gauche, droite, dis-lui, je te rassure mon frère, que Dieu a un plan merveilleux pour moi. Alors pourquoi jalouser les autres? Pourquoi crois-tu que tu es en retard? L'essentiel, découvre qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Abraham n'est pas un jeune. Abraham est un vieux loup. Il est dans les septantaines. Mais Dieu ouvre son cœur pour lui présenter le plan qu'il a déjà arrêté pour lui. Tu as quel âge? Toi, tu as quel âge? Qu'importe ton âge, il a un plan merveilleux pour toi. Un jour viendra où Dieu va se révéler en toi, où tu vas comprendre pourquoi tu es venu sur cette terre. C'est merveilleux de voir Dieu qui vient vers Abraham et qui lui ouvre son cœur. Et en ouvrant son cœur à Abraham, il présente à Abraham directement le plan qu'il a pour Abraham. Mais le plan devrait s'accomplir à un lieu, à un endroit. Il faut aller quelque part pour que cela puisse s'accomplir. Dans cette matière, nous sommes tous enfants. Peut-être Dieu, dans sa souveraineté, il peut t'ouvrir le cœur pour connaître la direction. Mais généralement,
des fois c'est caché. Mais c'est après qu'on va comprendre que c'est lui qui est en train de me diriger. Il ne te dirige pas par hasard, parce qu'il a un projet, il a un programme avec toi. Ça doit s'accomplir. Qu'il pleut, qu'il neige, ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. C'est comme ça qu'il donne l'ordre à Abraham. Va-t'en. Va vers les lieux de l'accomplissement du plan que j'ai pour toi. Bien-aimé, laisse-moi dire à quelqu'un, il est important de découvrir les lieux de ta prospérité. Il est important de découvrir les lieux de ton élévation. Il est important de découvrir les lieux du changement de l'histoire de ta vie. Bref, les lieux du déclenchement du mécanisme. Parce que Dieu a un endroit où il va déclencher les choses. Qu'il pleut, qu'il neige, il va déclencher les mécanismes. Il va déclencher les mécanismes. Il va déclencher les mécanismes. Oh, il est important de découvrir les lieux de l'accomplissement de ces promesses dans ta vie. Les lieux où tu vas t'épanouir, les lieux où tu prospéreras, les lieux où tu vas porter des fruits. C'est là que ton histoire changera. C'est là que Dieu essuiera tes larmes. C'est là que Dieu va guérir ton cœur. C'est là que Dieu va te consoler. Et c'est aussi le lieu que Dieu va confondre tes ennemis. C'est le lieu où tu vas les servir. C'est le lieu où tu vas t'exploser. Dans Deutéronome chapitre 12, le verset 5 à 13, déjà au niveau de l'Ancien Testament, Dieu a fixé les lieux où son peuple devrait non seulement lui adorer, mais les lieux où il devrait lui offrir des offrandes et des dîmes. Vous pouvez lire, sera dans Deutéronome chapitre 12, verset 5 à 13, et Deutéronome chapitre 12, le verset 18 et le verset 26. Laisse-moi ouvrir les yeux de quelqu'un, même pour la promesse du baptême dans le Saint-Esprit. Quand vous lisez le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28, Joël avait la promesse, il avait la prophétie, mais il ne savait pas les lieux et quand les choses devaient être déclenchées. Même quand il a dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça, c'est le lieu où nous trouvons, l'endroit où nous trouvons les extraits de cette promesse. Mais quand vous lisez dans Actes chapitre 1, le verset 4, Jésus fixe les lieux. Ce que Joël avait dit là, ça va s'accomplir à Jérusalem. Voilà pourquoi je vous dis, restez à Jérusalem. Pourquoi? Pour l'accomplissement de ce qu'il avait déjà dit. Il y a le plan. Mais à côté du plan, il ne faut pas oublier, il doit y avoir les lieux de l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Discerne ce matin. Je vais amener quelqu'un à se révolter, à ne pas accepter n'importe quoi. Sois fixé à la connexion divine. Sois connecté. Tu es trop distrait. Abraham, viens, j'ai un programme avec toi. Mais pour que cela puisse s'accomplir, je vais t'amener vers les lieux de l'accomplissement. Si tu es d'accord, tu verras ce que j'ai déjà préparé pour toi s'accomplir. Ça prendre ou à laisser. Et je bénis le cœur de notre patriarche Abraham. Je bénis son obéissance. Sinon, il devrait rester longtemps dans la famille et mourir stérile. Il fallait obéir pour quitter la phase de la stérilité afin d'entrer dans la fécondité. Parce que le plan pour lui, pour être fécond, était déjà arrêté avant que lui-même puisse arriver à naître dans cette terre. C'était déjà. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu es en train de vivre, cache ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Les gens voient ce que Dieu n'a pas déjà commencé à faire. Les gens voient tout simplement ce qui est général. C'est général que tu puisses venir dans ce monde, c'est général que tu puisses avoir faim. Mais il y a quelque chose qui est caché dans ce qui est général. Et dans ce qui est général, cela peut s'accomplir que si tu entres dans le processus, pour que les gens puissent dire que voilà, voici maintenant nous sommes devant quelqu'un extraordinaire. Au fond, tu n'es pas comme tout le monde, mais tu es une personne unique. Laisse Dieu faire des choses qui te concernent, afin que les gens puissent trouver la différence entre ce qu'ils sont et ce que tu es, parce que notre Dieu ne veut jamais la confusion. Attention, nous sommes nés dans une même famille, mais Dieu a un plan pour chacun de nous. Nous sommes tous Congolais, mais Dieu a un plan pour chaque Congolais, à condition que tu puisses coopérer avec lui, collaborer avec lui, pour qu'il puisse t'amener progressivement vers l'accomplissement de ce qu'il a déjà arrêté.
Gloire au Seigneur. Jésus dit dans Actes chapitre 1, le verset 4, il dit à ses disciples, si vous lisez le verset 4, le verset 12 à 14, oui, il y a la promesse. Cette promesse doit s'accomplir. Mais restez à Jérusalem. J'aimerais dire à quelqu'un, si parmi eux, certains ne pouvaient pas croire à cela et aller ailleurs, surtout Pierre qui avait des initiatives un peu comme si quelqu'un qui était bon, ça c'est son courage, il devrait louper quant à l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que l'indication était claire, il y a la promesse, mais à côté de cette promesse, il faut les lieux de l'accomplissement de la promesse. Tika malanda ngulo, tika bitambola tambola, tu vas louper. Tu vas louper. Tu vas louper. Tu vas louper, tu vas regretter le nombre de prières, le nombre de jeûnes, le nombre de temps et de sacrifices que tu avais. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Discerne les lieux de ta visitation divine. Discerne les lieux de votre connexion avec Dieu. Discerne cela. Calmement, Jésus dit à ses disciples, oui, la promesse, elle est réelle, mais restez à Jérusalem. Restez jusqu'à ce que le Père avait promis que cela puisse s'accomplir. Et Jésus parle en termes de la promesse du Père. Moi, je vous ai indiqué tout simplement les lieux. Je vous ai facilité la tâche. Parce que quand le Père parle, il est derrière ce qu'il dit. Et il vient derrière ce qu'il dit pour accomplir. Et Jésus dit, je vais vous aider. On laisse le Saint-Esprit aider quelqu'un aujourd'hui. Pour qu'il ne puisse pas sillonner le monde entier en vain et être fatigué, épuisé. Oui, Jésus a aidé les disciples. J'aimerais donner un conseil à nous tous. Ça me concerne aussi. Apprenons à discipliner notre chair. Apprenons à marcher selon l'esprit. Apprenons à marcher avec Dieu afin de ne pas nuire à notre destinée. Il y a un lieu de notre destinée. Non seulement il y a un lieu de notre destinée, il y a des hommes de notre destinée. Parmi ces hommes, il y a ceux qui nous aimeront. Il y a ceux qui nous détesteront. Il y a ceux qui auront confiance en nous. Il y a ceux qui chercheront même à nuire, à détruire notre destinée. Il y en a aussi ceux qui partiront très loin, qui chercheront à nous corrompre, à nous éloigner de notre destinée. Il y en a aussi ceux qui nous ouvriront des portes. Et surtout aussi, il y en a de ceux qui nous établiront. Si vous lisez bien la vie de Joseph, vous allez rencontrer ces cheminements. Alléluia. Je prends le cas par exemple de Potiphar. C'est quelqu'un que Dieu a placé pour que Joseph, dans sa maison, qu'il puisse aller en prison. Ni t'était la maison de Potiphar, il ne pouvait pas aller en prison. Parce que là, il n'a pas trouvé seulement celui qui l'aimait, mais il a trouvé celui aussi qui l'a aidé dans ses astuces, dans ses ruses pour lui amener en prison. Mais Dieu était d'accord parce que ce que la femme de Potiphar avait fait a permis à Dieu de continuer avec Joseph vers sa destinée. Tu crois à ta destinée? La destinée est entre ses mains. Et il faut comprendre le chemin de ta destinée. Il faut connaître le chemin de ta destinée. Et vous aurez à rencontrer toutes ces choses. Je vous lis rapidement. Ma joie est de dire à quelqu'un, si vous lisez l'histoire de Joseph, Joseph n'a pas prospéré dans leur maison, mais plutôt dans la maison de Potiphar. Et après la maison de Potiphar, il est allé jusqu'à devenir premier ministre. Celui qui marche avec Dieu possède tout. Attention! Ne luttez jamais avec les lieux de votre bénédiction. Ne crachez jamais sur les lieux de votre bénédiction. Partout où Joseph était passé, après avoir quitté la maison, étaient les lieux indiqués par Dieu. Et tous ces endroits avaient comme objectif l'accomplissement du plan de Dieu pour sa vie. Il fallait un lieu pour qu'il puisse aller en prison. Il fallait un lieu pour qu'il puisse arriver chez Pharaon. Et il fallait aussi Pharaon, pour qu'il puisse être élevé au rang du premier ministre.
Quelqu'un a dit, on ne retire pas du bon vin en un jour, il faut du temps. Il y a un jour où Joseph a eu un rêve, mais c'est après la prison qu'il est devenu premier ministre. Dieu a besoin d'un lieu. Pourquoi il a besoin d'un lieu? Pour que la vallée de Baca se transforme en Béréka. Est-ce que tu m'as compris? Il a besoin d'un lieu pour que la vallée de Baca se transforme en quoi? Voilà pourquoi ne vous rebellez jamais contre votre lieu de bénédiction. Même si tu ne vois rien aujourd'hui. Ne vous rebellez jamais contre votre lieu de prospérité. Au contraire, sois obéissant, sois soumis aux directives. Bien-aimé, en lisant ma Bible, j'ai compris, il y a toujours un lieu, un endroit de l'accomplissement du programme divin. C'est pour cela, dans Genèse chapitre 12, quand vous lisez le verset 1, Dieu dit à Abraham, quitte ton père, va-t'en vers les lieux que je t'indiquerai. Quand vous lisez Genèse chapitre 22, le verset 2, même le verset 9, Dieu dit à Abraham d'aller vers les lieux que lui-même avait déjà prévus pour sacrifier son fils Isaac. Nous savons nous tous que le verbe « aller » indique les lieux. Dans Actes chapitre 1, 4, Jésus demande à ses disciples non de se déplacer, mais de rester à Jérusalem. Ce qui nous intéresse, c'est les lieux. C'est comme ça que dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans un même lieu. Le verset 1 dit comme ça. Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans un même lieu. Si Dieu demande à Abraham de quitter, d'aller vers les lieux, Jésus dit aux disciples de rester à Jérusalem, afin que la promesse puisse s'accomplir. Dieu en demanda à Abraham de quitter. Il donne l'ordre, va-t'en. En fait, qu'est-ce que Dieu voulait dire à Abraham? Il voulait tout simplement lui dire, le plan que j'ai pour toi va t'aider à quitter à l'étape où tu te trouves pour que tu entres dans ce que j'avais déjà planifié pour toi. En te voyant comme ça, tu ne reflètes pas celui que j'ai créé sur cette terre. Mais maintenant, accepte d'aller là où je t'oriente parce que j'ai ce que tu dois être exactement. Et ce que tu dois être exactement va s'accomplir vers là où je vais t'indiquer. C'est pour dire, je te regarde aujourd'hui, tu es stérile. Mais demain, on va t'appeler père de multitudes. Tu ne seras jamais la même personne. Je vais changer ton histoire. Abraham est allé au lieu indiqué par Dieu. Il a obéi. Ne quitte jamais les lieux, malgré les difficultés, malgré la crise, malgré les moqueries, car c'est au lieu que Dieu vous a indiqué qu'il va vous rendre prospère. En ce lieu-là que vous allez vous épanouir. Ne faites jamais l'erreur d'Élimélec. Il a induit toute sa famille dans l'erreur à cause de la famine. Il était sur les lieux de la bénédiction, Bethléem, maison de pain, mais à cause de la famine, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a envié à gauche. Il a décidé de quitter Bethléem pour aller vers le pays de Moab. Il n'est plus rentré. Seule Naomi est rentrée. Ne quitte jamais les lieux de ta bénédiction, même si tu ne vois rien. Ne quitte jamais les lieux de ta prospérité, même s'il y a des difficultés. Ne quitte jamais les lieux de ta bénédiction. Avec quelles conséquences? C'était le désastre. Quand vous lisez Ruth chapitre 1, verset 1 à 6, surtout le verset 6, Naomi a appris que Dieu avait visité Bethléem. Il ne faut pas confondre les difficultés apparentes. Il ne faut pas confondre cette crise apparente. Dieu travaille nos vies. Mais attention, tu peux être dans le plan de Dieu, mais discerne les lieux. Discerne les lieux. Si tu ne discernes pas les lieux, tu vas croire que Dieu n'exauce pas tes prières. Et il est important de discerner les lieux. Quiconque qui croit qu'il est dans le plan de Dieu, et chaque enfant de Dieu est dans le plan de Dieu, Dieu pourra accomplir des choses. Il va nous placer sur un lieu.
Il va nous placer sur un lieu. C'est en ce lieu-là que Dieu va accomplir des grandes choses. Non seulement Elimelech, mais ne soyez pas comme Géasi. Géasi, qui n'a pas seulement quitté les lieux, mais qui a aussi quitté l'homme de sa destinée. Oui, tu peux être dans les plans de Dieu, en allant vers ta destinée, découvre non seulement les lieux, mais découvre les hommes que Dieu place pour t'amener dans ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Naaman arrive, il expérimente la guérison. Le maître dit non, malgré tout ce que tu nous donnes, ce n'est pas le temps. Va avec tout ce que tu nous as amené. Géasi regarde et dit, ah, mais le vieux Néhénina va rater quoi. Il s'éclipse, il va à la rencontre de Naaman. Il se rencontre avec Naaman. Écoute les mensonges de Géasi, le maître m'a envoyé. Il a reçu des visiteurs. Si tu peux remettre tout ce que tu lui avais amené, Naaman lui donne. Quand il arrive, il casse cela. Le maître lui demande, d'où viens-tu? Oh non, j'étais nulle part, j'étais ici. Le maître lui dit, tout ce que tu as fait là, je suis au courant. Mais regarde maintenant, la lèpre qui était dans Naaman, ça sera ton partage. Ça c'est moi qui crois, il ne faut pas écrire. Je crois que si Élisée a reçu double onction, Géasi devait recevoir triple onction. S'il pouvait rester sur les lieux et être connecté avec le maître. Parce que lui aussi Élisée, il est resté. Et il a reçu double. Géasi est parti, il a détruit sa destinée. Tu n'as pas compris, hein? Tu n'as rien compris, hein? Jusque-là, tu n'as rien compris. Hein? Quand Géasi était avec Élisée, on l'appelait homme de Dieu aussi. Mais maintenant qu'il a la lèpre, qui va l'appeler homme de Dieu? La lèpre est venue comment? Quand il a quitté les lieux, quand il a quitté l'homme de sa destinée. Mais Élisée, lui, à son tour, est resté avec l'homme de sa destinée. Il a reçu double onction. Naaman, Géasi, au lieu de recevoir triple onction, il a reçu la lèpre. Il y a les plans, mais il y a aussi les lieux de l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Non seulement il y a les lieux, il y a aussi les hommes de la destinée. Si Jésus n'avait pas préparé ses douze, il ne devrait pas être béni. Il y a aussi les hommes de la destinée. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Il ne faut pas seulement crier que non, Dieu a un plan pour moi. Je connais le plan de Dieu pour ma vie. Quand Dieu confirme tout ce que nous sommes en train de nous partager, il va te placer sur un lieu. Il va te connecter avec les hommes de ta destinée. C'est pour cela, Lot, c'est lui-même qui a levé les yeux pour voir les lieux de son épanouissement. Quand il est allé là, ah, vous connaissez l'histoire, mais quand Abraham, tête courbée, ne sachant que faire, Dieu lui dit, lève les yeux, tu vas voir les lieux de ta bénédiction. Wow! Oh, j'aimerais marcher avec Dieu, j'aimerais rester, parce que vous savez, trouver les lieux par vos propres efforts, vous allez échouer. Mais si c'est Dieu qui te montre les lieux, sa bénédiction sera avec toi. Dites avec moi les plans, les lieux, la provision va venir. C'est comme ça que Dieu fonctionne. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es ici, tu n'es pas ici par hasard. C'est le lieu de ta bénédiction, c'est le lieu de ton élévation, c'est le lieu de ta prospérité. Discerne et comprends. Ce n'est pas par hasard que tu es connecté à Israël Ntembe. Ce n'est pas par hasard. Nous qui avons été ici, nous connaissons. Dieu ne connecte pas les gens par hasard. Oui, tu es dans le plan de Dieu, mais il va te placer sur un lieu. Non seulement il va te placer sur un lieu, il va te connecter. Géasi, c'est ta faute. Ta propre faute. Ebimelech, c'est ta propre faute. Tu n'as pas discerné. Nous bénissons Abraham parce qu'il a compris qu'il fallait rester sur les lieux, qu'il fallait suivre les mouvements divins afin que ce que Dieu lui avait dit s'accomplisse. Je voulais dire à quelqu'un, ferme tes oreilles aux facilitateurs humains. Nous avons besoin d'un seul facilitateur. Il est divin, le Saint-Esprit. Il est aussi le facilitateur. Il ne t'induira jamais dans l'erreur. Les gens peuvent te faciliter la tâche. Ils seront fatigués. Mais si tu es avec Dieu, la provision va venir. Dites avec moi les plans, les lieux, la provision.
Ce qui dérange la vie de beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'ont jamais discerné les lieux. Ils croient qu'ils sont dans les plans de Dieu, mais ils crachent sur les lieux de leur prospérité. Ils crachent sur les lieux de leur élévation. Ils crachent sur les... Même si tu es né de nouveau aujourd'hui, découvre que Dieu ne va pas t'amener dans la rue pour que tu puisses déambuler. Il va toujours te placer sur un lieu. Découvre ça. Découvre ça. Il va toujours te placer. C'est là où tu vas découvrir tous les rouages de connexion. Alléluia. Oh, Géasi a raté triple onction. Ça pouvait être triple, mon frère. Si le maître a reçu double, lui, il pouvait avoir triple. Mais il a manqué. Il était disqualifié. Pourquoi? Parce qu'il a quitté les lieux et l'homme de sa destinée. Dieu t'a fait grâce pour trouver l'homme de ta destinée pour le mariage. Vous commencez à le compliquer et puis après, les jours où Dieu peut prendre cet homme, comment sera ta vie? Les jours où Dieu peut... Vous croyez que Dieu nous connecte par hasard? C'est pour nous amener vers notre destinée. C'est pour nous amener vers notre destinée. Pourquoi? Parce qu'il a déjà ouvert son cœur. Tu peux étudier, tu peux faire n'importe quoi, mais n'oublie jamais que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et des fois aussi, accepte qu'il déchire ton agenda pour qu'il te puisse entrer dans son programme. Parce que dans son programme, il est là avec toi. Il est là avec toi. Connaissez-vous combien de personnes qui grincent les dents aujourd'hui? Parce qu'ils ont fait comme Lot. Eux-mêmes sont conscients. Ça, c'est le fruit de mes efforts. Ça, c'est mon courage. Ça, c'est tout. Et maintenant, il te dit, oui, Dieu te laisse. Mais sache que quand Dieu te dit, comme Abraham dit à Abraham, pendant que tu ne sais que faire, lève les yeux et va là. Ah, mais il y a bon idée déjà. Est-ce que ça passe? Ça passe? Ça passe. Alléluia. Oui, frère, restez sur les lieux. C'est là qu'il va vous protéger. C'est là qu'il va vous secourir. C'est là qu'il va pourvoir à vos besoins. C'est là qu'il va confondre vos ennemis. Et c'est là qu'il sera pour toi un bras droit. Il n'y a pas seulement les plans. Pas non plus les lieux seulement, mais il y a aussi la provision. Lorsque vous avez reçu les rêves de Dieu, vous êtes sûr du plan de Dieu pour ta vie. Vous avez besoin du lieu. Mais après que vous aurez trouvé votre lieu, vous aurez besoin de la provision. Allons dans Genèse chapitre 22. Oh, laisse-moi dire à l'église que l'arche, c'est un endroit approprié pour que chacun de nous entre dans sa destinée. Roger Obalagiwap. Awa. Awa. Télémat. Obalagiawat. Obalagiawa. Awa. Lelo Zabina Lilan. Etats-Unis. Tiens, je vais vous dire que je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis responsable de la jeunesse. Après, comme on a encadré ces jeunes, un jour, je partais visiter la sœur Liliane. Il y a la maman Georgine qui m'interpelle devant leur portail. Bongo, qu'est-ce que tu as fait là? Comment tu as donné mon fils, ma fille à un vilain garçon? Excusez-moi de dire ça, tu sais, Bongo, tu n'entres pas dans ma maison. Moi, je ne veux pas. Moi, je pensais que ma fille venait pour la prière, pour que tu l'aides dans la foi. Maintenant, tu lui as donné un vilain garçon. Oh. Maman, excusez-moi. Je ne connais pas comment les choses ont commencé. Moi aussi, ils sont venus me dire, comme toi, tu as appris. Ça, il faut demander à Roger, pas à moi. Non, 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 tu n'entres pas. Il y a un moment, maman Georgine est venue en vacances. Nous nous sommes retrouvés quelque part, je crois. Je dis, maman, comment vous allez? Ça va bien. Je dis, maman, comment va notre vilain garçon? Ah, pasteur Bouangotier, maintenant, pasteur, oublie toutes ces choses-là. Je ne connaissais rien.
Il n'est pas un filin, c'est mon ami. C'est lui mon cœur. Avant hier, j'ai demandé à Roger, comment va la belle-mère? Et les vilains garçons, c'est comment? Roger me dit, mais là où nous sommes, mais c'est moi le pilier. Les lieux de connexion. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre. Tout le monde ne peut pas comprendre ce que Dieu peut faire avec toi sur les lieux. Mais c'est l'avenir qui va déterminer. C'est l'avenir qui va déterminer. Les loyers sont mon abyssé. On a vilé à l'objet. On a fait que préparer les choses. Parce qu'il était sur les lieux, un très bon endroit. Frère, ne crache pas sur les lieux de ta bénédiction. Ne crache pas sur les lieux de ta bénédiction. Ne crache pas sur les lieux de ta prospérité. Ne crache pas. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, demain tu vas donner à Dieu raison. Tu vas comprendre qu'il ne fait rien par hasard. Vous savez, si la maman pouvait bien forcer les choses pour dire à sa fille, non, pas lui, je ne vais pas, tout ça. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La plupart des sœurs qui aujourd'hui ont des difficultés pour se marier, prenez ça avec réserve. Si vous regardez leur cheminement, elles ont eu à refuser plusieurs frères parce qu'elles n'ont pas discerné qu'ils étaient au bon moment, à un bon endroit, avec l'homme de sa destinée, parce que lui regardait que je ne sais quoi, mais c'est après maintenant qu'elle réalise que la grâce est déjà partie. Maintenant, on va faire quoi pour toi? À moins que Dieu, dans sa souveraineté, mais n'oublie jamais que la grâce est déjà partie. C'est pour cela que j'ai dit à Néné si elle avait refusé cet homme, ce jour-là, alors que tous deux étaient sur les lieux, au bon moment aussi, à toi éviter. Toi éviter. Frère, à côté du plan de Dieu, il y a les lieux, mais à côté du lieu, il y a la provision. Voilà pourquoi Abraham, quand Dieu lui dit, va vers Morija, c'est là le lieu où tu vas sacrifier son fils, ton fils. En cours de route, c'est le silence tout au long de leur voyage. Abraham est dans la douleur. Il est calme, il médite ce que Dieu lui a dit. Mais pendant qu'il souffre, Abraham fonce vers les lieux. Le fils réunit le courage. Il dit, mais papa, je vois le feu. Je vois les couteaux, mais où est l'agneau? Ah, une question embarrassante. Abraham est un homme de foi, inspiré, parce qu'il est déjà quelqu'un qui est habitué avec les lieux. Quand il avait des problèmes avec l'homme, c'est qu'il lui avait sauvé, parce que Dieu lui avait montré les lieux. Peut-être qu'il n'a jamais compris ça. Quand Lot s'est séparé avec Abraham, et que Lot a eu une grande partie où il y avait la vie, Abraham est resté tête courbée. La preuve est que Dieu lui a dit, lève les yeux. C'est que, en restant tête courbée, Dieu a dit, mais ne vous pas dans la même nuit, ça n'est pas. Dieu dit, ne t'en fais pas. Lève les yeux. Il y a encore un autre endroit que j'ai prévu pour toi. Et quand vous lisez bien les textes, Dieu fait voyager Abraham tout en lui donnant les cours de quatre coins cardinaux. C'est pour dire quoi? Même là où était Lot, c'était aussi les endroits qui appartenaient à Abraham. Où est l'agneau? Dieu pourvoira. Et quand ils arrivent sur les lieux, Abraham sait que je suis sur les lieux. Je connais. C'est une stratégie des lieux. Lui, il est spécialiste. Maintenant que je suis sur les lieux, je ne peux qu'exécuter. Il voulait tuer son fils. Une voix. N'ose pas, Abraham. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Abraham, regarde la provision. La Bible nous dit, quand Abraham a arrêté, il a tout simplement tourné les yeux. Il a vu l'agneau. Dites avec moi les plans, les lieux, la provision. Si tu es dans le plan de Dieu, il va te placer sur un endroit et il va t'amener la preuve. Arrêtez de vous battre, arrêtez de forcer les choses. Arrêtez
forcer les choses. Arrêtez de déranger les gens. Discerne si tu es dans la volonté de Dieu. Si tu es dans la volonté de Dieu, pose la deuxième question. Si tu es dans les lieux indiqués, si tu es dans les lieux indiqués, s'il faut faire 10 mètres, j'ai toujours dit, peut-être tu feras 1, 2 mètres, mais les 8 mètres, Dieu lui-même. Lisez bien Genèse chapitre 1. Dieu a créé Adam et Ève. Il les a placés sur les jardins d'Éden. Et non seulement il les a placés dans les jardins d'Éden, quand vous lisez les textes, il a leur a montré les herbes et les animaux. Et la Bible dit, c'est pour leur nourriture. Dites avec moi, provision. 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 Ce qui te préoccupe a déjà préoccupé Dieu. Mais ton problème maintenant, discerne sa volonté, comme nous avons prié. J'aimerais dire à quelqu'un, entre dans la volonté de Dieu. Ça va permettre à Dieu de t'amener sur les lieux. Et quand il sera sur les lieux, il va t'envoyer la provision. Inclinons nos têtes dans la prière. Alléluia. 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 Si Dieu a dit à Abraham d'aller vers les lieux, Jésus a dit aux disciples de rester sur les lieux, de rester. Oui, Abraham, lui, il a quitté pour aller vers les lieux. Mais Jésus a dit à ses disciples de rester. Et Dieu a dit à Isaac de rester à Guérar. Il y avait la famine, chose qu'Abimélèque n'avait pas compris. Isaac, quand il a obéi dans Genèse chapitre 26, en restant sur les lieux, quoiqu'il y avait des troubles, il s'est privé, il a manqué beaucoup de puits parce qu'il y avait des disputes. Mais il a trouvé un endroit où il n'y avait plus de disputes. Il a donné le nom de Rehoboth. Je vois plusieurs ce matin. Vous êtes en train de cracher sur les lieux de votre prospérité. Arrêtez de vous laisser emporter par ce qui se passe dans ce monde. Rien n'étonne Dieu aujourd'hui. Rien n'étonne. Aucune crise ne fait trembler notre Dieu. Dieu unique. Arrêtez de copier les autres. Arrêtez de vous croire en retard. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Découvre les plans. Découvre les lieux. Dieu va t'envoyer la provision. Il va t'envoyer la provision. Plusieurs ont fait des choses selon eux-mêmes. Ils ont même forcé les autres. Je vous dis aujourd'hui qu'ils sont fatigués. Ils sont arrivés au bout. Même les gens sur qui ils comptaient, ces gens-là sont aussi fatigués. Mais j'aimerais t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui ne peut jamais être fatigué. Il va toujours aller avec toi. Il va te garder. Il va te diriger. Il va te sécuriser. Si on ferme à gauche, il ouvre à droite. Si on ferme à droite, il ouvre à gauche. Il va aller avec toi jusqu'à vers ta destinée. Ce matin, j'aimerais prier avec quelqu'un qui lutte concernant son avenir. C'est vrai, il y a des erreurs que tu es arrivé à commettre. Peut-être parce que tu n'avais pas écouté ce que je te dis ce matin. Mais si tu veux vraiment que les choses puissent être recadrées, pour que demain tu puisses dire que réellement, non seulement Dieu a dirigé Abraham, non seulement il avait un plan pour Abraham, mais il avait aussi un plan pour moi. Lève-toi, je vais prier avec toi. Merci. 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 Il y a aussi ceux qui pleurent, qui se disent, est-ce que je suis réellement là où je devrais être, avec de telles difficultés? Tu es là. Reste là. Reste là. Et j'aimerais dire à quelqu'un de rester ici. Tant que Dieu n'a pas encore fini avec toi ici, n'ose pas envier ce qui se passe à gauche, à droite. C'est ici le lieu de ton élévation. C'est ici le lieu où Dieu va vous ouvrir des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. C'est ici où Dieu va continuer à te consoler. Oui, la première expérience est allée à cause de ce que nous sommes humains. Mais pense à l'enfant prodigue. Il est revenu sur les lieux. Il est revenu à la maison. Et c'est là où le mécanisme de sa restauration a été déclenché. Tant qu'il était loin, il a tout gaspillé. Mais quand il est rentré sur les lieux, waouh! 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 Discerne les lieux. On ne crache pas sur les lieux de sa bénédiction.
y a un lieu, il y a un homme. Élisée lui-même, à côté d'Élie, il n'était pas appelé prophète, mais il était appelé avant d'entrer dans sa destinée. Ces jeunes qui avaient l'habitude de laver les mains d'un homme de Dieu appelé Élie. On ne l'appelait pas prophète. On est venu appeler Élisée prophète après avoir accompli les étapes qui lui ont conduit vers sa destinée. Beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église dévient plusieurs quant à ce qui concerne leur destinée. À cause de notre lecture humaine des choses, nous avons dévié beaucoup de gens. Et vous savez, quand vous faites les choses comme Géasi, quand vous faites des choses comme Elimelech, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Les plans, les lieux, la provision. La provision. Dieu ne va pas te laisser à la merci du diable. Il ne va pas te laisser à la merci des démons. Il ne va pas te laisser à la merci de tes ennemis. Au contraire, il va toujours prouver que tu es dans son plan. Et il est avec toi. Il a les moyens pour te protéger. Ce que j'aime avec notre Dieu, c'est quoi? Non seulement il connaît ce qui se passe dans ta vie, mais il a les moyens aussi de résoudre tes problèmes. Retrouve le chemin de ta destinée ce matin. Ce n'est pas dans les murmures que tu vas résoudre les problèmes. Ce n'est pas en fouillant loin de Dieu que tu vas résoudre les problèmes. Ce n'est pas en crachant sur les lieux ou en crachant sur les hommes de ta destinée que tu vas résoudre les problèmes. Reviens et sois obéissant comme Abraham. Marche dans la soumission. Tu n'es pas en retard. Parce qu'avec ton Dieu, il n'y a pas de retard. Et j'aimerais dire aux mariés de ce matin, discernez que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Discernez que c'est la femme de ta destinée. Discerne que c'est l'homme de ta destinée. Ne crache pas sur l'homme de ta destinée. Ne crache même pas sur la femme de ta destinée. Sinon vous allez compliquer le mécanisme. Vous allez compliquer le mécanisme. Qu'importe les difficultés, qu'importe les blocages, qu'importe les souffrances, laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu est toujours là pour nous aider malgré toutes ces écoles. Mais la provision est là. La provision est là. La provision est là. Ça, c'est des lieux où j'ai vu des familles bloquées, être délivrées. C'est les lieux où j'ai vu des jeunes venir sans avenir, sans espérance. Mais aujourd'hui, nous sommes parmi ces jeunes-là qu'on appelle aujourd'hui des papas. Ça, c'est les lieux où nous avons vu des gens se promener à pied, que Dieu a béni par des choses matérielles. C'est à ces lieux ici que nous avons écouté des paroles prophétiques, des prières prophétiques, des déclarations, que Dieu a profité de toutes ces choses pour donner forme à nos vies. Tu n'es pas dans n'importe quel endroit. Tu es dans un endroit où Dieu est invoqué. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es dans un endroit où Dieu est présent. Tu es dans un endroit où Dieu déclenche les mécanismes. Tu es dans un endroit où Dieu confond les plans du diable, les plans de l'ennemi. C'est en ces lieux. C'est en ces lieux. Si ce matin, Dieu te parle et que tu reviens, voilà pourquoi aime Dieu. Aime l'homme de ta destinée. Aime les lieux, fais ce que tu dois faire. Arrêtez avec le vagabondage. Ce n'est pas tout le monde qui peut être les moyens, les canaux où Dieu peut déclencher tout ce qu'il a prévu pour toi. Ce n'est pas tout le monde. Que personne ne te trompe. Il y a plusieurs hommes de Dieu dans ce pays. Il y a plusieurs églises dans ce pays. Ce n'est pas chaque milieu, mais il y a un lieu. Il y a un lieu, j'aimerais dire à quelqu'un. Comprends qu'il y a un lieu. Il y a un lieu. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche des prières sophistiquées. Vous êtes à la recherche des impositions, les mains des soi-disant faux prophètes. Mais si tu es sur les lieux, connecté avec l'homme du lieu, qu'il t'impose les mains ou pas, qu'il puisse crier ou pas, il peut te dire, frère, que le Seigneur te bénisse. Cette bénédiction-là, tu le verras s'accomplir. Parce que tu es dans le plan de Dieu, tu es sur les lieux et elle ne peut pas venir. Reçois la paix, réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi ce matin, mon frère, parce que tu as retrouvé le plan de Dieu pour ta vie. Tu as retrouvé le lieu de ta bénédiction. Et dans ce lieu, il y a ta provision. Lève tes mains, commence à dire à Dieu, merci pour ta parole. Shanda yabakoso, shokoro bokoto. Shanda yababababababa. Reka bababababa.
Dans mon cœur court sur la terre, tout pays sombre. Yes. Alléluia. Dans ma marche pour le ciel, même si tout peut tout sombrer. C'est vrai. Même si tout peut sombrer. Si la peur on met des doutes, sois connecté à la sur source de ma route. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Il est fidèle. Emmanuel. Il est fidèle. Laisse Dieu consoler ton cœur ce matin. Emmanuel. Toi qui étais agité, toi qui étais troublé, Emmanuel. Reçois la vie ce matin.